Salut à tous! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est mes favoris du mois de juin. De juin. Janvier, excusez-moi. Donc je sais que le mois de janvier n'est pas fini, mais j'ai découvert pas mal de choses et je voulais vous les présenter avant que soit ils les vendent plus, soit que les promotions s'arrêtent ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer. On commence. Donc là je pourrais pas vous donner de. Je pourrais pas vous dire s'il y a des promotions ou pas parce que c'est un parfum. Donc on m'a offert. Donc je connais ni le prix. Je connais l'endroit, donc oui, elle l'a acheté à un aéroport à Paris, mais franchement, je pourrais pas vous dire le prix. Parce que c'est un cadeau et ça se demande pas, mais c'est le Cerutti 1881 qui est très rare en ce moment à trouver. Le packaging est juste trop beau, donc là c'est un bouchon en rose gold. Et c'est quoi, c'est du saumon un peu. Je l'aime trop ce parfum. Et il sent juste trop bon. C'est une tuerie, il est discret. Et à la fois, il se sent, enfin, c'est parfum de, voilà. Et donc, ma mère, pardon, a demandé à la dame. En fait, je voudrais un petit peu un truc qui fasse adolescent, qui fasse pas trop femme, pardon. Et donc, elle a dit, bah, je vous conseille celui-là, il est discret, il sent bon. Et franchement, la dame, elle a tapé dans le mille parce que il sent juste trop bon. Et j'aime trop cette odeur, et elle est frais. Et franchement, elle sent trop bon, donc voilà. Et le paquet, il est comme ça. Si vous voulez retrouver le parfum, je sais pas si vous pouvez le trouver à Sephora ou dans des trucs comme ça, mais allez voir, on sait jamais. Donc j'ai un deuxième parfum, je crois que je vous avais déjà parlé de celui-là, donc c'est le La Vie est Belle, et donc c'est un de mes favoris, je le mets tout le temps, enfin je le mets encore en ce moment, donc j'alterne avec le nouveau. Donc déjà on a les parfumants, donc ça c'est juste trop bien, qui sont le même odeur que le parfum. Ouais, la même odeur. Et donc c'est un lait, une crème hydratante pour le corps quoi. Voilà. Et on a le parfum. Voilà comment il se présente. Il est trop beau hein, avec le petit ruban et tout. Il correspond comme à la boîte. Avec la crème. Et donc voilà. Regardez. Il est trop beau le packaging et tout. Franchement, je le conseille. Il sent hyper bon et il coûte. Il coûte pas si cher que ça. Je crois que celui-là il coûte. Ça dépend de la bouteille de format que vous prenez. Si vous prenez. Parce que là par exemple, là c'est la. 50 ml, je crois. Elle coûte moins cher que la 80 ml, etc. etc. Donc voilà. Donc après, on passe au maquillage. J'ai deux choses à vous montrer. Donc en première, une terre d'été effet bronzante pour toute l'année. Et c'est une de mes favorites que j'aime trop. Voilà comment elle se présente. Elle est trop belle. Enfin, je sais pas, je l'aime trop. Elle bronze, mais elle fait pas trop. Elle en fait pas trop. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai pas pris beaucoup de soleil. Je suis pas trop bronzée. Mais moi, j'ai déjà la pommade. Et je rajoute ça, ça fait juste un effet parfait. Ouais, elle est juste trop belle. Enfin, j'aime trop. Pour ce qui est du packaging, vous ferez attention parce que c'est un packaging en plastique. Et donc les packagings en plastique, vous le faites tomber comme ça, c'est bon, ça c'est mort. Ça vous pouvez l'obliger. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, faut le fermer tout doucement, etc. Donc voilà, là c'est un rose gold et c'est la teinte numéro 3 de Tomette. Donc voilà, elle sent rien mais elle est extraordinaire. Et donc vous pouvez la trouver à C'est Tout Moi, je sais pas si vous en avez un mais c'est une marque que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait une découverte. Je suis allée avec mon amie à H&M. Et puis, je vois que H&M font du maquillage. En fait, je savais déjà, mais je savais pas s'il y en avait un autre H&M. Et en ville, je suis partie. Bon, en ville, il n'y avait pas vraiment tout ce qu'il y a. Mais je crois qu'à H&M Leclerc, pour ceux qui habitent à Reims, il y a plein. Il y a un H&M avec du maquillage, des pinceaux, des poudres. Du blush, des rouges à lèvres, parce que ma tante elle est allée, elle m'a dit il y a plein de trucs, elle s'est pris une palette pour les yeux, etc., etc. Donc le volume mascara, qui se présente comme ça de chez H&M, pardon, il est juste trop bien. Le packaging il est rose gold et la brosse elle est bien parce qu'elle va attraper tous vos cils. En fait, ils l'ont bien faite la brosse parce que vous voyez, il y a des écarts entre chaque pic et donc c'est pour ça va bien attraper tous vos cils. Et franchement, je pensais pas que H&M ils atteindraient cette qualité.
Mais franchement, elle est extraordinaire. Donc voilà. Après, en shampoing, j'ai des favoris. Donc, j'ai un après-shampoing et deux shampoings à vous montrer. Tout d'abord, on a celui-là de chez Elsève qui est juste trop bien. C'est un shampoing maxi format L'Oréal Paris Elsève. Lisse, intense et franchement, tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Nourrit et détend. Ça nourrit mes cheveux. Ils sont plus beaux, plus soyeux. Cheveux 4 fois plus lisses. C'est vrai, mais en fait, là, ils sont bouclés. Parce que j'ai fait une technique hier soir. Donc, je me suis lavée hier soir et j'ai fait une technique pour les boucler un petit peu pour leur donner du volume. Donc voilà, donc oui, je vous disais lissage durable jusqu'à 72 heures. Mais bon, moi, je me lave quand même avant, je pense. Mais bon, voilà, si vous lavez avec ce shampoing et que, je sais pas, vous partez en randonnée, vous vous perdez. Et bah, au moins, vos cheveux, ils seront toujours lisses. Mais bon, voilà. Après, donc j'ai pris. Oui, c'est en promotion à Leclerc. Hein. Il y en avait 2 pour 3 ou 4 euros. J'ai peur de vous dire une bêtise, donc c'est 2 ou 3 euros. 4 ou 3 euros. Après, j'ai pris aussi celui-là que j'avais testé chez ma tante. Qui sent aussi trop bon, celui-là aussi, il sent trop bon. Et celui-là, je peux pas trop vous en parler. Mais je sais qu'il est vraiment très bien. J'ai testé chez ma tante. C'est les cheveux, ils sont. Si vos cheveux sont à manque d'épaisseur. Bah voilà, ça rajoute de l'épaisseur, ça rajoute du volume, etc. Et donc il est juste trop bien. Et je vous le conseille en plus en bon. Mais moi c'est les Max Format. Hein, parce que sinon ils arrivent à peu près là ou à Elsève. Les normales. Donc voilà. Et après j'ai pris le Pantene Aqua Light. Pour les cheveux, j'en ai pris plein de celui-là. Parce que je les aime trop les après-shampoings. Et donc voilà, j'ai pas trop de choses à vous dire sur cela. Qui démêle hyper bien, qui prend bien soin de vos cheveux et donc voilà. Et ma dernière chose, c'est le maxi format Narta que je vous avais dit dans ma vidéo What's in that bag que j'allais en parler. Donc voilà, c'est un déodorant hyper bien. Et donc voilà. Cette vidéo est finie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.